Et re tout le monde, c'est re moi, et je viens de vérifier la vidéo, j'ai pris 6-7 minutes pour me faire une petite pause tranquille, et on est reparti, donc on vient de sauver machin, Colline, et on part pour aller chez les Gorons. Et alors, go! Maintenant qu'on a les bottes en métal, donc il est quand même minuit et demi maintenant, chez moi. Je vais commencer à fatiguer, sans doute. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, on va avoir notre revanche sur machin. Par contre, j'ai pas toute ma vie, donc j'ai pas intérêt de me foirer. Ce serait con d'utiliser la fée qu'on a récupérée comme ça, connement. Et je vais maximiser ça en X, voilà. Ok, ramène-toi mon gars. Ah, encore lui. T'obstine pas, ça ne sert à rien, je vais te jeter dehors. Allez, ramène-toi mon gars. Allez, bim. Ok. Et ben voilà, on est passé. Et au passage, tu nous donnes un petit cœur dans les rochers qu'on vient de péter. Merde. Oh, il fallait que je l'arrête aussi avec les chaussures. Non, je pense que je peux l'esquiver. Ah non. Pars-toi. Bon débarras. On va essayer de traverser quand même assez rapidement. Pour pas qu'il y en ait 200 qui m'arrivent sur la tranche. Ok, on se dirige vers la montagne de la mort. Par contre, merde. Vite. Et... quoi? Alors là, il faudra m'expliquer pourquoi j'ai pas réussi à le virer. On continue d'avancer. Il me faut de la vie si possible. C'est quoi c'est? Il y a quelqu'un qui lance des flèches ou quoi? De la vie. Ah oui. Cool. Je comprends pas qui. D'accord, il y a un mec là-haut, deux mecs. On va passer en bourrinant. Je sais qu'il y avait un coffre sur le côté, mais pour l'instant, je pense que je peux pas y accéder tout bonnement. Donc pour l'instant, on passe comme ça. Ah, j'aurais pu les avoir avec mon boomerang, je suis content. Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Continuons d'avancer. Maintenant, il y a des météorites qui se... enfin, qui se ramènent. Il y a plein de vie! Pourquoi tu lances une cinématique? Ah là 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 là. Donc on est de retour à la montagne de la mort. Eh oui, je suis un humain. Ok, catapulte. Nickel, toute ma vie. Ça, c'est quand même good. Parce que 4 cœurs, ça reste assez limite. Eux, ils me veulent pas de mal. Bim. Aïe. Les bordels. C'est quoi ce truc? Ça a l'air bien dangereux ce truc. La montagne de la mort tient à sa réputation, on dirait. Ouais. Ok, d'accord. Moi, je suis comme un con, je vais dedans. Ça reste un caillou, quoi. On va passer par là, tout simplement. Avant qu'il y ait d'autres trucs qui nous tombent sur la tronche, voilà. C'est...
Au fait, un peu plus tôt, l'un des Gorons s'est mis en boule pour qu'un autre monte sur son dos et la repousse dans les airs. Je pourrais pas faire pareil. D'accord, ça c'est quoi? C'est un raccourci, peut-être que je débloquerai juste après. Pas avoir à me retaper à monter. Mets-toi en boule. Ok. On clique dessus. Nickel. Ok, un peu de vie, ce serait cool aussi. Donc, où on va? On va à gauche, on va à droite. On va aller essayer par là. Je comprends pas comment les... D'accord. Ah merde, j'étais pas dans le bon sens. Monte. Oh mais non, mais sérieux. Allez, mets-toi en boule. J'ai pas encore compris comment je devais les foutre en boule. Je crois qu'il faut que j'ai les bottes, mais je suis pas sûr. Allez, pousse-moi. Par là, nickel. Ok, de la vie. De la vie, il me faut absolument de la vie. Nickel. On doit s'attendre la tronche. Là, il y a des trucs en bas. Je suis passé de l'autre côté. Ils prennent leur bain, tranquille. Prendre un bain à ciel ouvert, la nuit, c'est le pied. Je pourrais passer des heures à regarder les étoiles dans les yeux. Ah. Je crois que la flotte me redonne de la vie. Ça, c'est cool. Les combats de sumo sont rares, c'est dommage. Les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent plus à cet art. C'est le champion à contester, mais il est déjà si vieux qu'on l'appelle le doyen. On ne peut rien y faire. Bonjour. Achète un souvenir de nos sources thermales. Des flèches, des bulles de lanterne, un bouclier de bois. J'en ai déjà, et du lait. Je peux acheter des flèches? Non, je peux pas. Vous avez déjà presque le même bouclier, si ça vous servira. C'est un très mauvais vendeur, le mec il me dit tu l'as déjà, tu peux pas l'acheter. Et si j'en veux deux? Bon. Passons par là alors. Ah bah je suis de l'autre côté du... de là où j'étais juste avant, je pense. Ok les Gorons, je vous laisse prendre votre bain tranquille et on va continuer, nous, notre ascension. J'aurais bien aimé dépenser mes thunes un peu, parce que là, pour le coup, je vais avoir plein de thunes. Bah si je récupère d'autres rubis, de toute façon, ils vont me servir à rien, ce sera des rubis récupérés et gâchés. Bon, vas-y, éteins-toi, c'est sympa. C'est comme ça. Pas me toucher au moins. Voilà, nickel. Bon bah, continuons notre petite route. J'aurais pu essayer d'aller de l'autre côté la dernière fois, mais. Mais ça me mène au même endroit. Mais c'est quoi ce bordel? Mmh.
n'y a pas un chemin, un truc comme ça? Et je continue à monter. Ça me servait à rien alors d'esquiver le... Ah mais là il y a un goron aussi, il peut me faire monter, je suis con. Juste ici. On va aller voir ça. Ok. Dis-toi mon gars. Moi, je comprends pas pourquoi il veut pas monter, c'est un peu bizarre. Ah, est-ce que je peux passer avec les bottes? Mais oui! Oh. Putain, je suis con, depuis tout à l'heure, je me fais chier. Et je viens de penser aux bottes. Alors... Merde, j'ai pas eu le temps. Toi, tu te barres! Et on continue notre ascension. J'imagine qu'il y en a d'autres qui vont m'arriver dans la tronche. Non. Allez, viens par là, mon gars. Je t'arrive juste au niveau du nombril, mais bon. Oh putain, sérieux? Ok. Pas tombé. Nickel. Ok, je crois qu'on a réussi à arriver tout en haut. Un peu de vie. Et voilà. Bon, ils sont pas si hostiles que ça, ces gourmands. Ok. Ouais, ce que j'allais dire, là, j'étais un peu dans la merde. Ouh, le Vioc. Ça doit être le chef. Contre ce gars-là, vous n'avez aucune chance, même à plusieurs. Et toi, tu vas m'affronter, c'est ça? Je suis le doyen des Gorons, Gor Cobalt. Je dirige la tribu en l'absence de Morok, notre chef. Tu viens du village d'en bas, humain. Je suis impressionné que tu aies pu venir jusqu'ici. Tu dois être très fort pour un humain. Mais... Les mines au-delà de ce point sont pour nous un lieu sacré. Il est hors de question de laisser un étranger y entrer. T'acceptes d'y rentrer si je te bats en duel, c'est ça? Au moins que tu ne mesures ta force à la mienne. Et que tu l'emportes. Oui, j'en ai le courage, bien sûr. Ramène-toi, papy. Ça va être plus chaud, j'imagine. Il faut juste que je mette mes bottes. Ok, fight. Mets tes bottes. Mais... Ok. Comment il m'a gerté? Tu n'as aucune chance. Ah ouais. J'ai aucune chance. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux te défier. Tu es têtu, hein? Montre-nous ce que tu sais faire. C'est parti. Avec les bottes, ça va moins rigoler, mon gars. Non, ne pousse pas. Tiens, allez, vas-y, vas-y. Esquive. On va y arriver, on va y arriver. Boum, une droite dans ta tronche. Nickel, martèlement de manette. Je pense qu'on entend mon martèlement du bouton A. Jeune guerrier, j'aime cette lueur dans ton regard. Et pourquoi pas, après tout?
Je suppose que tu as remarqué les éruptions incessantes. Lorsque la montagne a changé, nous, les quatre doyens et notre chef Morok, sommes allés voir ce qui se passait dans la mine. Il le fallait. Nous gardons un trésor que le grand esprit Ordine nous a confié. Mais lorsque Morok a touché le trésor, il s'est écroulé pour se relever sous les traits d'une créature effroyable. La rage destructrice qui l'habite s'est déchaînée sur tous ceux qui l'ont approché, et les éruptions ont redoublé de fréquence. Au prix de vaillants efforts, nous avons réussi à l'enfermer dans une salle au plus profond de la montagne. Et malheureusement, nous ne pouvons rien faire de plus. Humain, écoute ma requête. Tu dois sauver Morok. Je suis sûr que c'est le grand esprit qui a guidé tes pas jusqu'à nous. Moi, Gore Cobalt, je ravale ici ma fierté et te demande à genoux de nous aider pour le bien de notre tribu. Brave, laissez-le passer. Voilà. Maintenant que j'ai mis la misère à votre doyen, qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. Hé, attends. Tu veux redescendre? Tu peux utiliser cet ascenseur. D'accord. Mais non, je peux pas redescendre. Je peux pas y... Ainsi. Ok, une couchette. Et rien de plus. Donc allons-y, allons-y. Ok, c'est parti. Mingorn. Eh bien, je crois que c'est le deuxième temple. On se retrouve ici sur le deuxième temple, il me semble bien. Il a l'air beaucoup plus bordélique que l'autre. Oh la vache, la carte, quoi, la carte. Ouais, c'est ça. On est dans le deuxième temple. Il y a un rez-de-chaussée et un premier étage. Ok, on est parti. Alors... on va essayer de rien rater par la même manière. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être de la plateforme juste pure et simple. Voilà, voilà. Ok, très bien. Il faut être plus lourd. Ok, il y a un chrono, je l'entends. Voilà. Nickel. J'imagine. Pareil ici. Allez, on se dépêche. Ok, ça passe. Merde, j'aurais pas dû. J'ai failli faire la connerie. Ok. Donc, continuons. Il faut que j'atteigne là-bas. Est-ce que je peux monter ici? Ah. Quoi ça servait ce bordel? Ah mais si, il fallait véritablement que je fasse demi-tour. C'était bien ça. Donc là, il faut que je revienne en arrière, que je rappuie sur le bouton. Hop. Tac. Et que je fasse demi-tour pour passer ici. Ouf. J'ai pas vu ce qui me tirait des boulettes de feu. Alors... coup de grâce. D'accord. Un petit coffre. Et je vais pas pouvoir le prendre. Voilà, je peux pas le prendre. Donc on va le... quand... si on obtient la boussole, on va voir qu'ici il y a un coffre et que je peux pas le prendre. Enfin, qu'il y a un coffre et que je l'aurais pas pris alors que... en fait... eh ben, je l'avais déjà trouvé. Ce qui est très 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 chiant. Okay.
Ah, oh, jusque tout là-bas. Vite, vite, vite. C'est bon. On est passé. Large. Il faut du poids ici. C'est ça. Bon, pour l'instant, c'est que des énigmes qui utilisent les bots. Ça reste très très simple. Ouais. Le bouclier a été réduit en cendres. Ah merde. Comment veux-tu te battre sans bouclier? Si tu meurs, je serai bien embêté pour cet égoïste. Alors je te conseille de revenir sur tes pas et d'aller t'équiper correctement. Bon, arrêtez, je vais pas revenir pour aller chercher un bouclier. On avance. Surtout si je rachète un bouclier qui... Je veux bien racheter un bouclier, mais si c'est pour qu'il recrame juste derrière, il y a un coffre. J'ai vu un coffre en bas à droite. Bon. Alors, on en était où? Sur la carte, pour l'instant. D'accord, donc cette salle a un premier étage. Ok. Donc, descendant, descendant, descendant. Qu'est-ce qu'elle veut? Midona veut me parler. Et comment veux-tu te battre sans bouclier? Si tu meurs, tu me l'as déjà dit. Bah, je me bats sans bouclier, c'est comme ça. Et j'obtiens une petite clé, ok, très bien. Donc j'ai bien failli d'aller en bas. Pour l'instant, ça reste une grande ligne droite, le temple. Alors, j'ai récupéré la petite clé, je viens de là, et ben on va monter, tout simplement. Okay, ça, petite question de timing, facile, encore une fois. J'ai cru que j'allais sauter trop loin. Et j'avais juste besoin de la petite clé. Donc, c'est très bien. Et avançons. Et alors... un ennemi un peu plus... un peu plus fat là-bas. Crache du feu. Merde, putain. En plein dans sa gueule. Par contre, sa queue... vulnérable à la queue. Voilà. On dirait une grosse salamandre de feu, un peu. Ok, ouais, c'est vrai que c'est chiant de pas avoir de bouclier quand on combat. Mais bon, par exemple, là, je me suis fait toucher, il aurait encore cramé si j'étais allé en acheter un autre. Donc... je vois pas pourquoi je ferais ça. Ce serait juste une perte de temps. À part si je peux en acheter un qui soit pas en feu. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a un truc que je peux pas passer. Attends, je crois que j'allais me ramasser la gueule. Toi, on va te tuer aussi. Il a rien compris de ce qui se passait. C'est vrai que ça donne pas mal de cœur ces conneries. Merde, quel couillon. J'avais pas vu qu'il y en avait un là. Continuons d'avancer. Encore un petit. Hop, hop. Et hop. Voilà, t'es mort. Ah, je peux le tirer. Ouais, nickel. Je suis quand même balèze pour tirer ça. Vu la taille du truc. À moins que le truc soit sur des... ah, ok, ok, ok. Je me dépêche. À moins que le truc soit sur des roulettes. Ok, on se dépêche. Descends, descends, descends.
Ah, il y a des pics en plus. Hop, ça passe. Ok, pour l'instant, tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du cristal, des sols en cristaux. Ah, il y a un trou, donc là, je dois pouvoir passer, voilà. Réussir à couler avec mes bottes. Oh, la classe! C'est un truc de la... de gravité. Ok, c'est fun, c'est fun. Bon, pour l'instant, vraiment, le temps est une ligne droite. Non, je voulais voir la carte. Donc voilà, j'aurais fait tout ce qu'il y a à gauche, toutes les salles de gauche. Ce sera déjà ça de fait. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Attends. Je vais juste d'abord récupérer un coffre. Des rubis, c'est ça? Super. Déjà deux coffres que je peux pas prendre. La carte, peut-être. Yes, c'est ça. Ah, donc c'est tout ce qu'il y avait au rez-de-chaussée. Et là, c'est tout ce qu'il y a à l'étage. D'accord, donc j'ai déjà visité toutes les pièces du rez-de-chaussée. Bon, bah, je crois que ça va aller vite comme donjon. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Gérard? Ouh, la gueule. Oh. Il est en éruption. Tiens, tiens, j'avais senti une présence, mais je ne pensais pas que c'était un humain. Pour autant, si Gorkobald t'a laissé passer, c'est que tu es vraiment fort. Je suis l'un des quatre doyens de la tribu des Gorks, et je m'appelle Gorgranit. Oh, jeune et brave humain, je t'en prie, viens nous en aide. Vous obtenez un fragment de la clé. La clé a été séparée en trois morceaux, rassemblez-les tous pour la reformer. Voici l'un des morceaux de la clé qui ouvre la porte de la pièce où est enfermé notre chef Morok. Nous avons séparé la grande clé en trois morceaux, et chaque doyen garde l'un d'entre eux. Ok, re tout le monde, j'ai eu un problème, j'ai eu l'enregistrement du son qui s'est arrêté à l'instant. Heureusement que je m'en suis rendu compte au moment où ça a stoppé. Donc je me suis arrêté de jouer tout de suite, et heureusement que c'était pas l'enregistrement vidéo mais juste l'audio. J'ai pu récupérer l'audio, donc tout va bien, et l'enregistrer, donc c'est reparti. J'ai eu une petite frayeur là. Donc on vient de trouver Baba. Cette sympathique dame vous téléporte hors du donjon pour vous y ramener ensuite. Ah si, non. Ok. Oui, j'ai eu peur, je sais pas pourquoi Audacity a craché comme ça. Enfin bon, que voulez-vous? Tant que la vidéo ne crache pas et que j'ai pu réussir à récupérer le truc sonore. Oui, par contre, eux, faut les décrocher pour pouvoir passer. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Si ça marche, ça. Ah non, ça marche pas. Alors, on va essayer le... Non, ça leur fait rien. Mais ils vont me faire chier.
va remettre ça. Ah, ça y est, ok. Je peux quand même. Par contre, je peux pas utiliser mon. Oh non, ça va, ils sont super lents. J'ai cru qu'ils allaient me faire chier vraiment sur le truc, mais non. Ils sont vraiment lents. Donc, on est reparti tout là-bas, sauf que maintenant, on est au premier étage. Alors. Hop. Putain, ok. Le truc qui m'a téléporté. Oui, mais je ne sais pas où je vais là pour le coup. J'ai vu qu'il y avait une plateforme là-bas, mais on va juste aller voir ce qu'il y a là-bas. Je peux rester. Je pense que je peux rester à l'infini à l'envers, ouais. Bon, il y a l'air de rien avoir là-bas, donc on va aller. Tout simplement, on va essayer d'atteindre là où il y a les lampes. Tout connement. En espérant que les larves là ne fassent pas trop d'embrouille, mais elles ont pas l'air de bien se soucier de moi. Hop. Et maintenant je peux me lâcher. Ok, nickel. Et j'obtiens un coffre. Et bah, je pensais que c'était la collègue là, mais cool. Un cinquième de cœur. En plus. Tant que c'est pas là. Et bah on repart en haut, il doit y avoir un autre chemin quelque part. Ok. Merde, mais qu'est-ce qu'il se nous fait là? Il suffit que je tourne la caméra en même temps pour que le jeu ne comprenne plus où je veux aller. C'est vrai que là je me suis fait un petit flip quand même. Si j'avais perdu les trucs sonores, vous auriez eu toute une partie sans commentaire où ça aurait peut-être fait un peu chier. Mais ouais, il faut que je trouve le moyen d'aller là-bas, je pense. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc ça doit être en passant par derrière, j'imagine. C'est vrai qu'il n'y a pas moyen de courir, donc c'est un peu long. Parce que là, on se trouve... Ouais, on se retrouve dans la salle. Tout à l'heure, on a affronté des espèces de salamandres et tiré le gros bloc, là, pour passer. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Ben, on va atteindre le truc tout là-bas. Je pourrais prendre à droite, je pense pas qu'il y ait grand-chose. Allez, c'est un peu long tout ça. Hein. Bon. Oui, donc pour l'instant, moins d'idées sur le level design de ce niveau, je trouve. Moins d'aller-retour, mais... Donc pour le coup, il est plus simple que j'ai juste l'impression de que j'ai un chemin tracé pour aller tout droit et puis c'est parti quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis de retour dans la grande salle, sauf qu'on était... Allons-y. On était juste sur une plateforme un peu en dessous, je dirais. Toi, tu meurs. Bim. Hop, coup de grâce aussi pour toi. Ok. Et toi aussi. Voilà. Donc oui, on était juste là. Vous vous souvenez, on est allé chercher la clé juste là-bas. La petite clé. Donc on se retrouve. C'est ça. Ah, il considère qu'on est toujours au rez-de-chaussée là. Donc on doit pouvoir monter plus haut dans cette salle encore. J'imagine. Ok, donc on actionne un truc pour nous déplacer. J'arrive. Ouais. Donc là, si je vais là, je reviens en arrière.
ce qui ne me servirait pas à grand chose. En revanche, si je vais là, on avance, je pense. Hop, et hop. Ah, tu m'as mis un quart de... Mais... Meurs ! Petit coup de boomerang et... Hop, voilà. Ça, c'est fait, c'est réglé. Encore un interrupteur. Hop, prends-moi, toi. Et là, je suis passé au premier étage, ce coup-ci. Le son qui sature un peu là. C'était un peu curieux ça. J'ai le son qui a saturé un peu dans mon casque. Et le lourd de la vie. Donc. Reprenons notre route, mais ce coup-ci au premier étage. Et le lourd, des petites bestioles qui étaient dans le tout premier Zelda celui-là. Journal Zelda, l'originel, sur NES. Ces petites bestioles dégueu, là. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un cristal en haut. Ah oui, je l'ai eu. Ah bah, il y a un coffre juste là. On y va. Nickel. Qu'est-ce que c'est? Une petite clé. Ok. J'imagine qu'il y avait besoin d'une petite clé pour avancer. Est-ce que ça fait quelque chose si... Je vois qu'il y a des trucs au mur. Donc là c'est... fermé... Et je dois pouvoir passer... Ouais, je dois pouvoir passer dessous. Ok. Pousser ça. Ok, d'accord. Pour l'instant, ça reste très très simple. Hop, c'est marrant, un petit donjon qui mélange un peu l'eau et le feu en éléments. C'est actif, ça. Et un peu de gravité. Boum. Alors, on avance. Ouais, pour l'instant, vraiment, je le trouve plus simple que le premier donjon, tout simplement, parce que j'ai l'impression de suivre un chemin tout tracé. Hop. Ok, bon, ça, facile, il faut que je saute dans le rayon avec les bots. Je les enlève, je saute et je les mets en l'air. Bien droit. Et hop, nickel. Donc c'est parce que les bottes sont métalliques qu'on peut tenir comme ça. Un champ de gravité, un petit coffre au passage que je pense que je pourrais pas prendre. Voilà, super. Putain, ça fait chier quand même. Là, j'aurais pu me faire je sais pas combien de thunes. Ah si, c'est le temps qu'il a mis pour s'allumer après... Ah, il y a un chrono. On va attendre qu'il se referme. Ok, go. C'est bon, on est passé. De nouveaux ennemis. Voilà. Oh merde. Ah, je déteste ces conneries, putain. Oui. J'ai vu que je pouvais monter sur le côté. Donc on va aller faire ça. Parce que ça, là, ces trucs, je sais pas trop quoi en faire. Ah, mais il y a un... J'imagine que c'est pour ouvrir la porte. Pour revenir si... Ok, c'est ça. Tout connement. Et j'ai toujours une petite clé. Donc on va passer par là... J'ai le choix entre à gauche ou à droite. On va aller à droite déjà, la plateforme est plus près. Ok.
Hop là. Et à gauche? Non, 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 non. On va aller à gauche, en fait. Vu qu'il y avait un coffre. Un gros coffre. On y retourne. Peut-être la boussole. Là, on va voir tous les coffres que j'ai pris. Il y avait... Normalement, il y avait trois coffres. Si c'est la boussole, en tout cas. Hop là. Ah non, un cinquième de cœur. Et ben, on en a cinq. Vous obtenez un fragment de cœur. Vos cinq fragments font un réceptacle et vous redonnent tous vos cœurs. Plus un, donc 5 cœurs. Et là, ça c'est une bonne nouvelle. Ah oui, c'est carrément une bonne nouvelle. Un cœur de plus. C'est toujours bon à prendre. Ok. Donc on va juste récupérer ça et je pense qu'il faut juste couper. C'est quoi, voilà, nickel. Tout connement. Et on peut avancer. Voilà. Et j'avais besoin de la petite clé que j'ai trouvée juste avant. Ok. Bon bah pour l'instant on avance bien. Alors, où on en était? Encore une salle un peu compliquée. Avec des mecs qui vont faire chier avec leur arc. Ça, ce serait bien que j'ai un arc aussi. D'ailleurs, je pense que les ennemis juste avant, avec leur œil rouge, là, il faut leur tirer à l'arc dans l'œil rouge. Mais vu que j'en ai pas, c'est peut-être ça qu'on va débloquer. Justement. Dans le fruit. Pourquoi tu montes dessus? Tu peux casser ça, tout simplement. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, on est là. On va essayer d'aller à gauche parce qu'il y a moins de salles. Tout simplement. Comme ça, on fait vraiment les choses méthodiquement. Donc, il y a l'autre. Un petit coffre que je peux pas récupérer parce que c'est... Ah si, une petite clé. Ok, c'est cool que je l'ai trouvé rapidement. Comme ça, ça m'évitera de chercher... une clé. Ok, d'accord. Mais vraiment, le chemin est tout tracé, quoi. C'est pas très très intéressant pour l'instant comme temple, et je trouve que le level design est assez foireux. Qu'est-ce que vous avez foutu, Nintendo, là? C'est qui le mec que vous avez embauché pour celui-là? Pour ce donjon? Alors, on va juste visiter d'abord en bas, vite fait. Hop, deux ennemis. Voilà, de l'eau, y'a rien dans la flotte. Ok, rien dans la flotte. Je pense que c'est juste un endroit où tu peux tomber. C'est con, j'aurais aimé passer à gauche, et ben je suis passé à droite. Ça fait chier. Par contre, la petite salle en haut à droite, on va essayer d'aller là-bas. Hop là, c'est bon. Ah, ça c'est fun. De toute façon, je peux pas aller là. Ok, faut mieux aller de ce côté. Et les bottes. Ah, ça c'est assez fun, comme idée. Voilà une idée qu'elle est fun. Hop là. Et on est bon. Donc, j'ai vu qu'il y avait un truc pour traverser de l'autre côté, mais il faut arriver juste au-dessus. Donc là, j'imagine que cette pièce... Ah ben, un second doyen. Nickel. Salut toi. Oh oh, bravo, tu es parvenu jusqu'ici sain et sauf. Je suis l'un des quatre doyens de la tribu des Gorons, Gorsieni. Puisque tu es venu me voir, tu dois être au courant. Tiens, prends ceci. Un fragment de la clé a été séparée en trois morceaux, blablabla. Ça m'en fait deux. Ta tenue, ça me fait penser à quelque chose.
On raconte que le héros des temps anciens aurait laissé dans cette mine une de ses armes légendaires. C'est un objet de grande valeur que nous protégeons depuis maintes générations. Mais je pense qu'en ces sombres heures, elle peut nous être d'un grand secours. Conservons cette arme précieusement dans une pièce un peu plus loin. Va parler au gardien et prends-la. D'accord. Un coffre ici. À 10 rubis, je crois que je peux prendre. Oui, incroyable. 300 piles. À 1 rubis près. Alors, une échelle. Et donc pour le coup, on va ressortir, sauf un tout petit peu plus haut pour aller dans la salle qui se trouvait juste en dessous. Ok, pour l'instant, vraiment, on se balade dans ce temple-là. Là, il n'y a rien de dur. Ok. Donc, faut aller jusque là-bas. C'est vrai que par contre c'est un peu lent comme moyen de transport. Mais bon. Hop, hop, hop. On y arrive. Je suis pas sûr que j'ai un sol en dessous. Je vais aller vraiment me mettre tout là-bas parce que j'aimerais pas tomber et retaper la route. Voilà. Un coffre en plus. Vraiment, il y a plein de petits coffres par contre dans ce donjon. Je peux pas le prendre. On sait jamais. Hein. Ah si, je peux le prendre. Bah. Alors là, je sais pas pourquoi il l'a pris. D'habitude, il les repose quand. Pourtant, j'avais 300. C'est bizarre. C'est très bizarre. Oula, attention, ça sent la reine. Oh oui. Viens par là, mon gars. Ça, c'est un goron. Un humain. Qu'est-ce qu'un humain vient fabriquer ici? Je ne laisserai personne s'approcher, surtout ce, pas ceux qui veulent. Surtout pas ceux qui veulent voler notre trésor. Eh hey, mon gars, je suis là pour t'aider. Ah par contre, ouais, là il faut absolument que je mette les. C'est un combat de sumo encore? C'est un mini-boss. Non, tombe pas. Ok, fallait que je me pousse. Oh oui, esquive. Allez. Merde, fallait qu'il tombe. Un peu de dégâts, c'est pas grave. Par contre, s'il faut qu'il tombe, il faut que je me trouve en demi-tour. Voilà. Allez, vas-y. Boum. J'ai compris comment le battre. Non, tombe pas. Carte-toi. Merde. Je me décale, j'espère que ça va passer. Ouais. Et de deux fois. Une troisième. Et je me mette là. Non! Oh merde! Je l'avais quasiment tué là. Et ce qui me fait. Je sais pas. Oula, ma vie. Oui, merci. Merci. Plus de cœur. Ok, nickel. Et on y retourne. Ah bah merde. J'avais pas vu que.
tout cas, son chara-design est aussi très classe. Mais il meurt! Allez! Allez, viens par là. Mais je l'ai lancé là! Ok, barre-toi. Nickel. Ah, mais combien de fois faut le faire, quoi? Et encore une fois. Hop là. Je pense qu'il... Quand je suis tombé dans la lave, il a dû réinitialiser le boss depuis le début. J'imagine. Ça y est, 3 fois. Ou 5 fois. 3 ou 5 fois, c'est ça qu'il fallait en tout cas. Ok, très sympa ce mini-boss par contre. Oh la gueule. Tu es très fort pour un humain. Peut-être que tu veux aller voir notre chef. D'accord, va. Et prends l'arme du héros des temps jadis. En échange, je te demande de bien vouloir sauver notre chef. Et ça refait remonter la plateforme. D'accord. Good, good, good.